Alors que le coup d'envoi de l'Euro 2021 sera donné ce vendredi 11 juin, les Bleus vont se retrouver séparés de leur famille pendant un bon moment. En effet, leurs proches ne pourront pas les accompagner pendant toute la durée de la compétition et ce en raison des restrictions sanitaires. Afin d'éviter tout risque de contamination de Covid-19 au sein de l'équipe de France, les femmes et les enfants des joueurs seront donc tenus à distance et devront ainsi rester chez eux. Un véritable crève-cœur pour certains footballeurs qui avaient pour habitude d'être encouragés, notamment par leurs compagnes, pendant les matchs. Compte tenu des restrictions sanitaires, on ne pourra pas les voir, a fait savoir Marine Lioris, la femme d'Hugo Lloris, à nos confrères de Gala, avant d'ajouter qu'elle était toutefois déjà habituée, puisqu'en 2018, déjà, il avait été recommandé aux Bleus pendant le Mondial de football de rester éloignés de leurs proches afin qu'ils puissent se focaliser sur leurs objectifs sportifs. Si l'épouse du gardien de but de Tottenham Hotspur préfère relativiser malgré la déception, les deux filles du couple, Anna Rose, 10 ans, et Juliana, 7 ans, ont été beaucoup moins enchantées par ces nouvelles règles, si est-ce un coup dur, surtout pour les filles, a-t-elle admis avant d'ajouter, elles ont mal réagi quand elles l'ont appris. Depuis qu'il est parti, le 26 mai, on s'appelle, on fait des visios. Si est-il on met ça en vaut la peine. Les Bleus sont-ils tous en bon terme? S'ils ne devraient donc pas être déconcentrés par leurs petits soucis familiaux pendant le championnat, les hommes de Didier Deschamps vont en revanche devoir mettre de l'eau dans leur vin afin de ne pas se tirer dans les pattes entre eux. Certaines petites tensions se seraient déjà fait ressentir entre certains coéquipiers, à l'instar d'Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Après leur victoire face à la Bulgarie, pour leur match de préparation le 8 juin dernier, l'attaquant de Chelsea avait ouvertement reproché à ses collègues d'avoir tendance à l'oublier sur le terrain, on dit que je suis discret, mais si est-ce parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas. Après, je ne prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Avait-il lancé au micro de la chaîne L'Équipe. Des propos qui ont immédiatement interpellé Didier Deschamps. Le sélectionneur a fait son possible pour tenter de désamorcer le problème, afin d'éviter qu'une embrouille ne vienne troubler son équipe quelques jours avant leur départ en Allemagne. Si est à Munich que se tiendra leur premier match de l'Euro 2021, le 15 juin prochain.